Bébé, t'as besoin d'amour, de mes bisous dans ton cou, de tes mains douces sur mon torse, de moi dessus, toi dessous. Bébé, je vais et je viens. Bébé, de plus en plus. Donc, là, je suis en train de mettre mes affaires ici. Tout d'abord, je vais vous présenter mon joli cartable. Voilà. Et là, on va passer aux fermetures. Donc, un classeur violet ou rouge, comme vous voulez, pour enlever l'étiquette. Ah non, c'est pas une étiquette, merde. J'ai déjà enlevé une étiquette ici, mais ça s'est pété. Bon, ensuite, il y a un truc dedans, mais je vais vous mettre une photo ici. Voilà. Donc, il y a un truc ici. Enlève ton volume, t'as pas de. Donc voilà, ça se ferme, ça fait bruit. Ensuite, je vais mettre ça. Puis nous avons une pochette rose. Trop belle. Petit débat avant de faire la suite. Donc, vous dites une, c'est une, ça pour vous, c'est une pochette ou une chemise? Ardoise de base, c'est un bic Velleda et un cahier Oxford, quel brouillon. C'est avec des pages, un truc comme ça, ça se casse pas. À part si vous faites ça comme une folle, moi j'ai pas envie de le faire parce que c'est quand même des nouvelles, c'est quand même des nouveaux. Ensuite, nous allons passer aux choses que je mets pas dans la trousse, mais qui sont des fournitures que de base on met dans les trousses. Ah, je sais pas si vous m'avez compris. Donc ensuite, il y a 4 stylos. Un bleu, un vert, un rouge et un noir. C'est des stylos gomme. Deux crayons papier. Comme ça. Trois stylos. Enfin, je sais pas c'est quoi, mais... faudra m'expliquer. Enfin, vous pouvez m'expliquer en commentaire, c'est pas parce que c'est des c'est marqué des paper mat. Donc je vais chercher ça sur Google. Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est des feux d'ardoise parce que si c'est pas des feux d'ardoise, je suis morte. Mais attendez, je vais tester sur mon ardoise, on sait jamais. On sait jamais. Pourvu que c'est ça. Oui, c'est ça. Les gars, c'est ça. Les gars, comment j'ai marqué? Mais vous pouvez pas voir. Hein. Pourvu que ce soit des feutres ardoises. Je sais jamais parce que s'il me fait défoncer par la maîtresse le premier jour d'école, c'est mort pour moi. Ensuite, il y a 2 cols UHU, stick, je sais pas comment vous dites, mais stick. Donc, voilà. Puis un taille crayon avec réservoir. Jaune, enfin orange et truc, c'est couleur peps. Une équerre de 19 cm, enfin de 18,5 cm. Enfin, je vais mettre en photo pour vous. Et voilà. En fait, tout rentre ici, quoi. Même je peux mettre ma tête dedans ou quoi. Alors là, tu voulais me porter. Ensuite, on va déballer ça, hein. C'est une règle. On a besoin d'un ciseau. Le ciseau de la France. Mais attendez. Où sont les petits bébés? Donc un ciseau comme ça. On va tout couper. Hein. Bien sûr. Et pour les droits de chier. Donc BG. T'inquiète. Beau gosse. Donc voilà, c'est de 20 cm. Hein. J'adore. On doit cintrer.
Avec le nouveau stylo qu'on a pris, bien sûr. Ou plutôt qu'on a volé. Donc voilà une règle. Je vais mettre dans une petite boîte. Ah oui, il y a aussi une boîte à présenter, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc ça sera bon. Ça sera bon. Donc ensuite, un ciseau, comme je vous ai dit. Je peux vous tuer. Un feu d'ardoise, ça par contre, ça a vrai. Ça sent vraiment le feu d'ardoise. Hein. Ça s'efface pas par contre. Bon, voilà. Ah oui, le ciseau, j'en ai encore besoin pour couper des stabilo format spécial. Hein. Comme ça. Je sais pas comment je l'ai fait. Ça marche. Donc, il y en a que je vais mettre dans la trousse, il y en a que je vais mettre dans le. Donc, celui que je vais mettre dans la trousse, ce sont. Oh merde. Je vais en garder trois. Je vais en garder trois. Ceux dans la trousse. Et ceux dans le centre. Et tout ce qui est là, c'est ceux qui vont aller dans mon pot. Hein. Ah oui, mon pot, faut que j'aille le chercher. Donc, attendez une seconde, j'arrive. Donc je suis revenue avec le pot. Voilà. Donc ensuite, je vais vous présenter aussi un compas comme ça. Il se range. C'est avec un crayon papier. Voilà, je vais vous mettre ici. Ensuite, c'est fini pour ce que je mets dans mon pot. On va tout de suite passer à ce que je mets dans ma trousse. Enfin, dans mes deux trousses. Donc, les deux trous, je vais vous les présenter. Putain, je vais fermer la trousse, ne vous inquiétez pas. Désolée, c'est ma soeur à la Google. Arrête, t'es chiante. Je vais passer sur YouTube pour information. Donc, voilà. Le ciseau, ça sert à quelque chose. Hein. Pardon. Ok. Genre, il y a tout ça. Donc, c'est une trousse comme ça d'abord, avec un petit objet dedans, mais je sais pas c'est quoi. Donc, je vais couper ça hein, parce que je connais pas. Je sais pas, ça sert à quoi ça. Aïe, ça m'a piqué. Voilà. Ça va faire un petit porte-clés. Enfin, je sais pas moi. Je coupe tout ici, moi. Je suis une folle dingue. Ça, je mets ça dans mon. Donc ça c'est la trousse au feutre. On va passer du temps. Je vais vous montrer les feutres en photo bien sûr. Vous croyez que je vais vous montrer comme ça. Donc les feutres ici et les crayons de couleur. Ok. Je pars par là. Vous voyez tout ça. Il y a une deuxième fois, je sais pas, je vais mettre quoi dedans. Ah oui, ceux qui marchent plus. Enfin ceux qui fonctionnent plus genre. Ici. Oui, la trousse bleue que j'adore. Elle est magnifique. J'aurais dû prendre une jaune et une bleue, mais comme la jaune ça s'anime trop vite, donc j'ai pris une jaune. Une bleue. Regardez, enfin, je sais pas si vous voyez, enfin, vous voyez pas, mais il y a encore des gens qui ont mangé dedans, on dirait. La vie, attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc, je sais pas si. Oh, ça va m'énerver. Je sais pas si vous voyez, mais quelque part, voilà, ici, là, il y a des gens qui ont bouffé ça. Très agréable. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse. Donc, il y a des surlumineurs par les stabilos que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, c'est la même chose qui est là, mais c'est juste que ça, c'est la réservoir. Je ne sais plus combien de colles UHU j'ai pris pour cette année. Je crois que j'en aurai un paquet. Des cartouches d'encre. Bien sûr. On en a besoin. Des cartouches d'encre vert, rouge et noir. Et bleu aussi. Donc.
écrit en deux couleurs. De beaucoup d'autres trucs. Voilà, on va. Comment on appelle ça? Je m'en rappelle plus. Des cartouches d'encre de fer. Cartouches d'encre bleue. La même chose que tout à l'heure. Mais attendez, il manque des affaires à moi. J'y vais présenter la gomme. La Vita par contre. Ami, est-ce que vous avez présenté la gomme? Non. Ma gomme est un. J'ai une gomme de rechange, bien sûr. Tous les trucs que je vous ai montrés. Ah. T'as pas vu ma gomme? Quoi? Ma gomme. Ma gomme pour gommer le cul. La vie. Regarde dans mon truc. Va chercher ton sac parce que je peux pas bouger, je fais une vidéo. Donc je rentre. Oui, mais une vidéo, tu ça te fait pas mal. Voilà, je sais, voilà, ça fait un truc. Tu ne lâches pas tout. Tu sors rien. Oui, tu cherches juste à l'intérieur. Oui, c'est bon, j'ai compris. Hey, par contre, tu me fais mal. Tu peux. Enlève tes pieds de cheval. Ah, mais par contre, arrête. On a vu ta culotte. Quelque malade. Ah. Ouais, il y a une piscine. C'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est l'espace. Quand je n'aurai pas d'enfant. Depuis quand? Je me fiche de ce qu'on dit. Désolée, c'est ma grande soeur. Ouais, c'est ma petite soeur. D'intérêt. Oh, j'ai le cul, moi. Profiter de la vie. Mais t'as pas de. Ouais, j'ai un peu de. Chanceux. CE2, j'ai passé en CE2 et elle va passer au collège aussi. C'est pas vrai, c'est une grosse merde. Elle a fait, j'ai passé elle en CE2. Elle va passer en CE2. Ouais, elle va passer en CE2. Elle a redoublé. Et j'ai pas redoublé. Elle a même retriplé. Non, j'ai pas redoublé, c'est juste que je suis née en 2011. Là. Elle a recraclé. Non, ça c'est pas. Non, par contre, j'ai perdu ma gomme. Ouais, ma chère. Arrête, ma chère. Non, par contre, imagine, t'as perdu un truc, tu ferais quoi? T'aurais. Colère, tu as pris quelque chose, non? Donc je vais ranger les affaires. Donc, j'ai perdu ma gomme. Ah, c'est rigueur! Putain! Je me vole tout là! J'ai perdu ma gomme, je suis très très c'est contente. Les gens en fait, avec juste du papier et de la colle et écoutez pas. Donc voilà. Faire des faux. Non, ouais. T'es là, par contre, c'est pas ta chaîne YouTube, c'est attends, là. Attends, je vais vous laisser une vidéo, comment faire des poses. Ouais, comment faire un cul d'ami, un petit cul d'amber. Attendez, mais en fait, j'ai pas envie de faire ma gomme. Donc, ma gomme, en fait, je vais vous mettre en photo comment ici. Comment faire des faux ongles? Si je la retrouve, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura comment plu. Comment faire des n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Abonnez-vous tous à mes... Comment faire des faux ongles? Et voilà, bisous. Comment faire des faux ongles?